font une animation, je sais pas si vous voyez. C'est un truc de ouf. Ils maquillent gratuitement, ils mettent la musique, ils dansent, ils se déguisent. C'est super. Là, je suis à Aventura Mall. Tout ce que vous voyez là, ce sont des restaurants. C'est le coin dans le mall, donc c'est un centre commercial. Et c'est le coin pour bouffer, quoi, tout simplement. Et voici Leslie Shopping. Elle s'occupe tout simplement de nous envoyer nos commandes américaines en France. Elle a ouvert sa petite entreprise et elle vit à Miami avec son copain. Je les ai rencontrés. Ils sont super géniaux. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Parce que c'est tout simplement les sites américains qui ne veulent pas livrer chez nous. Et elle le fait à un tarif super raisonnable. Elle est super, il y a plein de youtubeuses qui en parlent. Et en plus, elle est de Narbonne. Et là, c'est le Cheesecake Factory. Là, c'était Jawad, il était en transe, tout simplement. Bon alors, je sais pas si vous allez entendre, mais là je me suis fait maquiller, on m'a fait les sourcils. Dans un stand d'Anastasia Beverly, du highlight, plein de choses. Et la fille était super géniale. Voilà, parce qu'elle m'a fait les sourcils. À chaque fois j'ai un problème avec les sourcils, j'y arrive jamais. Et j'ai une obsession, c'est le highlight, vous savez, le truc qui fait briller là. Elle m'a maquillée avec, elle m'a mis sur le nez, j'ai l'impression que ça fait un gros nez, mais bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait du rouge à lèvres? Elle m'a mis plein de choses sur la marque Anastasia Beverly Hills parce que j'adorais. Elle n'était pas spécialement d'Anastasia Beverly Hills, mais moi je suis obsédée par cette marque, donc du coup j'ai acheté plein de choses et je suis super contente. Voilà! Alors voici notre Toy Toy de location et voici la voiture qui garait à côté. Comment vous dire? Bon, c'est magnifique, hein, mais purée! Regardez! Tout ça, c'est du NYX. Je pète un câble, les filles. Sachez-le, je pète un câble. Voici les quartiers résidentiels à l'américaine. C'est un petit peu comme à la Desperate Housewife. Il n'y a pas de clôture, des maisons de pied en pied. Et franchement, c'est super joli. On se régale, quoi. En plus, avec tous ces palmiers, c'est magnifique. Dans une boutique où c'était un petit peu high-tech, le vendeur m'a proposé d'essayer le siège. Alors après une journée à avoir marché de partout, ce siège était un pur bonheur. C'était un siège massant, rien à voir avec ce qu'on a sur l'autoroute, les autoroutes françaises. Il était vraiment agréable, il chauffait les mains, les pieds. C'était un truc de ouf. Et Jawad, il en a profité de ma posture pour me filmer. Et voilà, 5 000 $. Mais alors franchement, c'est un truc de ouf ce siège.